Bon alors, donc je vais commencer par vous expliquer les 5 exercices. Alors le premier exercice, il est rigolo, on va marcher en canard. Donc on va faire des allers-retours. Donc on va être ici, et on va avancer, d'accord? Avec les bras devant, et on avance, hop, hop, hop. Et on fait demi-tour, hop, 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 hop. D'accord? J'espère que vous avez un peu de place. Elle est là. Ah ben voilà, mon beau-frère, voilà. Hop. Et donc ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on va venir ici en fente. On fait une fente derrière et on donne un coup de pied devant, d'accord? Je fais une fente derrière, hop. Ce qui est important ici, c'est de bien descendre, d'accord? Entre les deux jambes, ici. Et on remonte le dos droit et on donne un coup de pied pour rester bien le dos droit. C'est bon, vous changez, vous alternez gauche-droite. Donc après, on met du dynamisme. Hein. Ok. Ensuite, le troisième. Bon, je n'ai pas fait des trucs où on saute trop aujourd'hui. Hein, mais ça va être quand même cardio. On va descendre en squat ici, bien sur les talons et le pied. Et on remonte, on touche pied avec la main opposée. On descend. Hop. On descend. Hop. Descendez bien. Poussez dans le sol. Et remontez. Hop. Voilà, ça c'est de... Donc là, mon beau-frère, il est juste en train de boire une bière juste à côté. Hein. Voilà. Alors, donc ça, c'était le troisième exo. Quatrième exo, on l'a fait plusieurs fois déjà, c'est la marche de l'ours. Donc en fait, ici, vous allez descendre d'abord sous vous, et après, vous avancez 5 pas avec les mains, et vous reculez 5 pas. Quand vous avez réussi, vous sautez. Ça va être le seul saut qu'on va faire. Si vous sentez que c'est trop dur, vous le faites sans sauter. Donc je descends bien sous moi et après j'avance jusqu'en planche et je reviens. Ok? Et dernier exercice. Ah oui, il est bien celui-là. Alors, on va venir ici à quatre pattes. Je vous le fais sur le côté. On lève les genoux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner sur un bras. Hop! Main en l'air. Je reviens ici et je tourne, d'accord? Je pivote sur le pied et sur le bras. Hop! C'est bon? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vous rappelle les exos. Premier exo, marche des canards. Deuxième exercice, fente, coup de pied. Fente, coup de pied. Troisième. C'est quoi déjà? Ah oui, squat. Je vais toucher le pied opposé, jambes tendues. Attention ici, gardez bien le dos droit, penchez pas trop en avant. Quatrième, marche de l'ours. Je descends. Je marche, tac, 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 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens. L'effort aussi se fait sur le retour, hein, pas que sur l'aller. Jump. Et le dernier exercice, je vous le fais peut-être de face. Donc on est ici, je ne sais pas si vous me voyez, hop. Et en fait, je vais pivoter, hop, sur un pied, sur une main, hop. Donc il faut serrer le ventre. Après, là, je vous le montre au ralenti. Vous le faites à votre vitesse pour tenir les 45 secondes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Ok, bon, on va attaquer l'échauffement danse africaine. Donc danse africaine, lâchez-vous. Bon là c'est vrai que je vous vois aujourd'hui, mais n'ayez pas honte, hein, d'accord? Allez. Vous entendez la musique ou pas? Ah ouais c'est vrai. C'est la petite qui dort. Et il y a ma nièce qui dort, donc on va pas parler trop fort. Et non je peux pas parce qu'elle ne voit pas. Mais toi vas-y. Alors, c'est parti, on va faire des petits cercles comme ça, deux cercles. Ici, en même temps, on s'avance de ce côté. On s'avance. Change de côté. Allez, on sort la poitrine. Hop. Je vois ma soeur en miroir. Hop. Encore. Hop. Et relâchez. Deuxième mouvement. On l'a déjà fait. On monte les bras en haut, en haut, en bas, en bas. Fléchissez bien les jambes. Allez, on y va. Hop, rapide.
Respirez. Fléchissez plus. C'est trop bien, je les vois là. Hop. Et relâchez. Troisième, dernier. On l'a fait celui-là aussi. On va écarter les jambes un petit peu. On fléchit. Et là, en fait, on va lever un bras, l'autre. C'est bon. Et maintenant, on fait un tournant. Hop. Fléchissez. Et changez de sens. Les voisins. Hop. Et relâchez. Bon, le cœur est un petit peu monté. Voilà, déjà chaud, Camille. Et on va attaquer les choses sérieuses. Donc on va commencer dans 45 secondes. Ah oui, le verre d'eau. Buvez un coup, hein. Hop. La marche des canards. Bon, n'ayez pas honte, hein. Vous faites des allers-retours. Ce qui est important, c'est que vous essayez de rester bien sur le pied en entier. Parce que je trouve rien. D'accord. Allez, en 20 secondes. Elle lui voit sa bière, c'est pas. Allez. C'est dommage parce que t'as vu, il faut que sauter les images. Ouais. Mais elle... Allez, dans 10. T'as personne qui a son image là. Si. Ah. 5, 3, 2. Allez, c'est parti, on y va. On avance. Attention sur les talons. Hop. Allez. Respirez. Demi-tour, faites demi-tour sur la droite, demi-tour sur la gauche. Bon, bah, ma soeur est tombée déjà. Allez, allez, aidez-vous des bras. Allez, encore. Allez, encore. Allez, 10. Allez, Camille. Maintenant, je la surveille, elle ne peut même pas tricher. Allez, encore. Allez, 5, 3. De relâcher. Ah, ça chauffe un petit peu. Hein. On veut le premier tour, vous apprenez les exercices, vous les appropriez. Et après, les autres tours, vous allez vraiment rentrer dans l'intensité de la séance. Allez, deuxième. Ah oui, c'est dur. Hein. Mais là, maintenant, vous avez acquis un level. Allez, on va partir sur fin de coup de pied. Donc vous changez à chaque fois, mais placez-vous bien, d'accord, avant de repartir sur droite ou gauche. 3, 2, 1, allez, on y va. Fente, bam. Fente, bam. Oh purée, pas trop les jambes. Hop, gardez le dos droit. Aidez-vous des bras pour vous stabiliser. Encore. Frôlez le sol avec le genou, montez. Encore. Olivia, elle nous fait une élévation magnifique. Très bien. 15. Encore. Là, on lance bien le cœur. 10. 5. 3. 2. Relâchez. Super. Buvez un coup, hein. N'hésitez pas à boire. L'exercice qui arrive, squat, et je vais toucher jambe opposée. Essayez de ne pas trop lever la jambe haut, surtout de serrer le ventre, d'accord? Et tendez bien les jambes. Allez. Dans 5, 3, 2, allez, c'est parti. Je squatte, monte. Allez, descendez bien en squat. Sur les talons, poussez dans les talons. Vous êtes un petit peu penché en avant. Dos droit, épaules ouvertes. Hop. Allez. Respirez. Inspirez, je descends. J'expire en montant. Encore. Descendez. Allez, encore. Hop. 15. Lâchez pas. Lâchez pas, on rentre dans le vif du sujet. 10. Plus bas, Camille.
5, 3, 2, relâchez. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, regardez par là, quand je descends, je sais que je vais monter par exemple sur la jambe gauche. Je mets mon poids du corps sur la jambe gauche, je pousse dans le sol, clac, d'accord? Poussez dans la jambe qui est au sol. Allez, reprenez votre souffle. Reprenez votre souffle. On va attaquer la marche de l'ours. Serrez le ventre. Moi, j'adore cet exo parce qu'il est hyper complet. Moi, c'est le préféré de genou. Allez, dans 5, 3, 2, allez, on y va ensemble. Je descends et j'avance. Je recule et je saute. Je saute comme une plume, hein. Pas comme un éléphant. Hop. Ah, il y a tout qui s'est arrêté. Une batterie? Non, c'est bon. Elles sont là, elles sont là. Ok. Encore 20. Hop. Je les vois plus. Non, mais je m'en occupe. Encore. Je m'en occupe. Fais ton exercice. C'est bon, vous êtes là, vous êtes là. 10. Non. Lâchez pas. Encore. Oui. T'as vu comment 5. Est... Encore. 3. Relâchez. Pardon, on a eu un petit souci technique. Du coup, Camille en a profité pour s'arrêter. C'est exactement ça. Mais vous m'énervez, hein, c'est... Moi, j'ai... Allez. On attaque le dernier exo. Donc celui-là, comme c'est la première fois qu'on le fait, essayez de vous l'approprier bien, d'accord? Je pivote sur le bras et sur le pied. Allez. On est au sol. Les genoux ne touchent jamais le sol, hein, d'accord? 5, 3, 2, allez, c'est parti. Allez, je touche, je lève le bras au plafond. Je reviens. Bras au plafond. Bassin levé. Hop. Revenez. Encore. Allez. Serrez les fesses en haut. Quand vous êtes en pont. Hop. Dos droit. Encore. Serrez les fesses en haut. Hop. Mettez-vous à plat sur les deux pieds. Hein. Stable. Encore, ça serre. Les fesses, le ventre, 10. Encore. Allez, lâchez pas. 4. 3. 2. Relâchez. Il vous plaît celui-là? Ah, il est compliqué. Allez, reprenez votre souffle. On a fait un tour. Bon, maintenant, on a bien compris les exercices. Donc, on va les refaire. On met de l'intensité. Hein. Maintenant, vous les connaissez bien. Placez-vous bien. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils font du sport aussi. Allez, dans 10 secondes, on repart sur la marche des canards. Je compte sur vous pour faire des beaux canards. Hein. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, sur les talons. Allez. Tac. Tu peux te mettre sur les talons, Camille? Non, tu veux pas? Sur les talons? Après, tout dépend de votre... Si, je peux, mais c'est ici. Hop. Allez, encore. Serrez le ventre. Aidez-vous des bras. Soit sur les côtés. C'est puissant. Encore. Allez, je reviens. Je repars. Tournez. Reviens. 10. Et hop, demi-tour. 5. Encore. Et relâchez. Très bien, bravo. Des beaux canards là. Très beaux canards. Ça va faire un malaise là. Super. Reprenez votre souffle. Buvez un coup. Hein. N'hésitez pas à boire parce qu'on va bien transpirer aujourd'hui. On va partir sur fente. Attention la fente, je répète, je descends en fente, je suis au milieu de mes deux jambes. Et après, paf, pas trop le pied. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le dos droit. Allez, on est parti ensemble, c'est parti. Fente, bam. Fente, bam. Prenez le temps de changer de pied. Hop. Descendez. Hop. Aidez-vous des bras, soit comme moi devant, soit sur les hanches.
Allez, respirez. J'expire, je donne le coup de pied. Allez, Camille. Hop. Encore. 15. Lâchez pas. Très bien. 10. Tenez le dos. Mettez les mains quelque part pour vous stabiliser. 3. 2. Relâchez. Très bien. Bravo. Allez. On va attaquer le battement, le squat battement. Descendez, comme je vous disais tout à l'heure. Ici, je suis là, j'écrase quelque chose sur ma jambe qui va rester au sol. Hop. C'est pas je monte battement. C'est je suis là, tac, je monte direct. D'accord ? Allez, c'est parti dans 3, 2, 1, allez, on y va. Hop, bam, encore. Descendez dans les battements, dans le squat. Hop, dos droit, épaules ouvertes. Allez, descendez. Super. Allez, lâchez pas. Regardez face à vous, respirez. Allez, encore. C'est bien, gardez le rythme, gardez le rythme. 15. Allez, jambes tendues. 10. Allez, c'est dur, on lâche pas. Résistez. 5. 3. 2. Relâchez. Camille, elle gratte 2-3 secondes à chaque fois. Allez, reprenez votre souffle. On va faire la marche de l'ours. Essayez de mettre de l'intensité à l'aller mais aussi au retour sur la marche de l'ours. Hein. Si vous sautez pas, c'est pas grave. Hein. L'effort, il est sur l'aller-retour. Allez. Allez, on y va. En 5, 4, 3, 2. Allez, c'est parti. Je descends. Je marche. Je reviens. Je saute. Allez, on y va. Hop. Sautez. Allez, encore. Reculez. Poussez dans vos bras quand vous reculez. Gami, tu peux avancer un peu. Là, t'as pas de place. On ne te voit pas. Hop. Reculez. Sautez. Encore. Hop. Faites un petit tour de pause si vous voulez. Quand vous êtes ici, en planche. Et vous repartez. Encore. 10. Poussez. Allez, encore 5. Un dernier pour la route. Et sautez. Bravo. Respirez. Oula, je sens qu'il y en a. C'est dur, mais c'est moi aussi, c'est dur. Hein. On est là pour ça. Hein. Là, on va bien transpirer. Ah voilà, ça fait du bien. Allez, on va être parti sur l'exercice où on pivote. Essayez de quand vous êtes en pont, sur les deux pieds, pour monter le bassin. Allez, on y va ensemble. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Levez les genoux, levez les fesses. Allez, hop. Prenez votre temps, hein, d'accord? Je préfère que vous passiez bien que rapide. Encore. Tournez. Serrez le ventre. Allez, soufflez. Montez bien le bras en l'air. Vers le plafond. Encore. Allez, 15. Lâchez pas. Hop. 10. Même pas. Encore. Okay. Serrez le ventre. 3. 2. Relâchez. Très bien. Bravo. On a fait deux tours. On a la moitié. Maintenant, le cœur, il est bien haut. Allez, Camille, allez. Là, vous vous dites, ah là là, c'est horrible, je vais y arriver. Mais si, vous êtes lancé là, vous êtes dans la lancée. On est lancé. On va attaquer la marche des canards. Marche des canards, essayez de bien vous déplacer le plus possible sur les talons, d'accord? Pas que sur les pointes de pied, hein, sinon vous allez avoir mal roulé. Allez, on y va. Dans 3, 2,
1. Allez, c'est parti. Allez. Hop, serrez le ventre. Allez. Allez. Intensité. Hein. Je suis un canard rapide. Encore. Mais Camille, t'as plus de... Approche-toi plus. Voilà. Allez, encore. On y va. Lâchez pas. Aidez-vous des bras. Allez, 15. C'est dur. 10. Encore. C'est bien. Lâchez pas. Allez, encore. 2. Relâchez. Bravo, très bien. Reprenez votre souffle. Prenez une grande inspiration. Expirez. Comment ça, descendre jusqu'en bas? Bah, descendre un peu. Ah oui, oui. Mince, ça a coupé encore. Le plus possible. Ah non, c'est bon. Le plus possible en fait. Le plus possible au sol. Essayez si vous pouvez d'être sur les talons. Allez, on part pour les fentes. C'est parti, on y va. Allez, go. Fente, coup de pied. Fente, coup de pied. Allez, encore. Pas trop haut le pied. Hein. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce soit explosif. Bam. Je pars d'en bas. Bam, je monte en haut. Respirez. Expirez en haut. J'inspire, je descends. Corrélez le souffle. Aidez-vous avec les bras. Encore. Avec les bras, vous pouvez faire comme un coureur. Encore. 10. Lâchez pas. 5. Hop. 2. Relâchez. Il est dur celui-là. Très bien. Et pareil sur celui qui arrive. Hein. Celui qui arrive, vous êtes vraiment sur le pied en entier. Hein. Même un peu plus, je dirais, sur le talon. D'accord? Un petit peu le poids du corps en arrière sur le pied. Allez, reprenez votre souffle. Hop. Du coup, j'ai pas regardé. Allez, on y va dans 3, 2, 1. Allez, squat. Squat. Battement croisé. Squat. Hop. Descend. Poussez sur la jambe. Mettez le poids du corps sur une jambe. Super. Tu bats si tu peux, Camille. Encore. Touche le genou, Camille. Touche le genou. Hop. Comme ça. Encore. Allez. Mais c'est le squat. J'ai pas trop, j'ai plus de jus. Mais j'ai plus de jus. Encore. Ah, Christophe. Allez. C'est à ce moment-là que c'est le mieux. Réfléchis. Hop. Fais-le à ton rythme, hein, Camille. Encore. 10. Hop. 5. 3. 2. Relâchez. Donc si c'est trop dur cet exo, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Vous fléchissez et vous relevez et vous levez la jambe. Vous faites en deux étapes. Allez, reprenez votre souffle. C'est le canard qui m'a tué. Hein. Le canard? Le canard, il me tue, il casse les jambes dès le premier tour en fait. Bon ben, c'est vrai, ouais, c'est vrai, peut-être le canard il est dur. Allez, on va partir sur marche de l'ours dans 10 secondes. On fait tous les animaux de la forêt en fait. Le canard, l'ours. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on descend, serrez le ventre. Serrez le ventre pour vous avancer. Vous reculez. Sautez si vous voulez, sinon vous repartez. Hop. Reculez. Encore. Je recule. Léger comme une plume le saut. Pas d'éléphant ici. Hop. Encore. Comptez 5 pas à peu près. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Hop. Encore. 10. Faites-le à votre rythme. Encore. Hop. 3. Relâchez. Sur la marche de l'ours, si ça devient trop dur, vous partez, vous restez un petit peu en planche et vous revenez, d'accord?
Mais ne lâchez pas. Vous avez 45 secondes. Répartissez l'énergie sur les 45 secondes. Donnez pas tout les 10 premières secondes. Allez, on va partir sur l'exo où on tourne. J'espère qu'il est bon pour tout le monde, celui-là. Allez. 5, 3, 2, allez, on y va. Levez les genoux, tournez. Hop. Hop. Montez le bassin. Soufflez. Hop. Vous avez vraiment le ventre vers le ciel. Hein. Tournez sur le bras. Encore. C'est gracieux. Hein. Je tourne. Encore. Très bien. 15. Allez Camille, allez. Hop. 10. Encore, lâchez pas. Résistez. C'est dur. 3. Et relâchez. Très bien. Bon les filles, il nous reste un tour. J'espère qu'il vous reste de l'énergie. Je suis sûre que oui. Plus personne. Hein? Allez. Reprenez votre souffle, buvez un coup. Et on va attaquer. Dernier tour. Le dernier tour, c'est au mental. Hein. Là, le physique, on est quasiment vidé. On va tout donner. Allez, lâchez pas. L'autre exo, je peux faire que le canard. Le canard, tu fais juste des squats air comme ça. Allez, on est parti sur le canard. On y va. Allez. Mais ouais, c'est bon. Hop. Tac. Air squat, enfin, les squats air. Allez, on revient. Allez, canard, des bons canards là. Rapide les canards, rapide. On y va. Dos droit. Essayez de garder dos droit. Respirez. Allez, retour. Encore. Allez, on y va. 10. Lâchez pas. Encore. 5. Encore. Restez avec moi. 3. 2. Relâchez. Bravo. Il nous reste 4 exercices. Le canard, on n'en parle plus. C'est fini, on ne le fera plus. C'est fini. Reprenez votre souffle. On va attaquer. La fente, coup de pied devant. Vraiment que ce soit, vous descendez lentement et vous explosez en montant le pied, d'accord? Comme s'il y avait quelqu'un que vous n'aimez pas devant. Clac. Allez. 5. 3. 2. C'est parti, on y va. Tac. Bam. Explosez devant. Gardez le dos droit. Hop. Dos droit. C'est pas grave si la jambe ne monte pas. Ce qui vous intéresse ici, c'est le cardio aujourd'hui. Bam. Encore. Expirez la montée. Respirez. Regardez face à vous. Les épaules ouvertes. Ouvrez les épaules pour laisser rentrer l'air. Encore. 15. Allez, 10. Descendez bien entre vos deux jambes. 5. 3. Un dernier. Relâchez. Bon, je dégouline moi. J'espère que vous aussi. Regardez. Mince, ça ne me voit pas. Voilà. Allez. Je dégouline. Il reste 3 exercices. Donnez tout. Squat, battement. Essayez de faire quelque chose d'assez fluide. D'accord? Dans le squat, en chargeant bien le poids du corps. Dos droit, épaules ouvertes. Donc tu fais en deux temps. C'est trop dur, faites-le en deux temps. Allez, c'est parti. Descends, monte. Hop. Tac. Allez. Serrez le ventre quand vous êtes en haut. Encore. Tac. Allez. Descendez bien dans le squat. Encore. Là, vous posez le cerveau. Vous pensez à rien. Vous me suivez. Allez, encore. Votre corps, il y va tout seul. Il a emmagasiné les exercices. 10.
Allez. 5. 3. 2. Relâchez. Bravo. Buvez un coup. Il nous reste combien d'exercices là? Il nous reste 2 exercices. Allez. 2 exercices, dont 2 difficiles. Hein. Mais bon, maintenant vous êtes au taquet, trempé comme moi j'espère. Allez, on va partir sur marche de l'ours. Serrez le ventre. Allez jusqu'au bout de la planche, bassin en bas. Allez, on y va ensemble. C'est parti, je descends. Allez. Je vais tremper le sol. Saut, si vous pouvez. Hop. Poussez dans les bras. Revenez. Saut. Encore. Allez, on recule. Sautez. Ah, c'est encore sauter le truc. Attends. Tac. Allez, encore. Je suis en prison. Ah, ça s'est mis en veille. Encore, lâchez pas. 5. 3. Un dernier pour la route. Hop, sautez. Relâchez. Allez, c'est fini pour... Non, encore un. C'est fini pour... Oui, oui, oui. Ah. Bien sûr, il en reste un. C'est fini pour la marche de l'ours. Il reste... Franchement, je le trouve vachement bien, le... Il reste un animal dans la ferme, là. Que j'ai trouvé, là. D'accord. Essayez de vraiment, quand vous tournez, vous êtes sur les deux pieds. Je sais pas si tu vois. Vraiment, les deux pieds. Et comme si tu voulais monter le ventre vers le ciel. Allez, venez avec moi. Quatre pattes. 5. 3. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pivotez. Montez le bassin. Allez. Pivotez. Montez le bassin. Hop, montez le bras en l'air. Le bras qui vous tire des pointes des doigts jusqu'au ventre. Allez. Encore. C'est la dernière. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Encore. 15. Montez le bassin. 10. Même pas. Encore avec moi. Lâchez pas. Résistez. Dépassez-vous. 3. 2. Relâchez. Bravo. Là, franchement, bravo. Donc, buvez un coup. On va faire juste un petit retour au calme. Allez, venez avec moi au sol. Je vais mettre... Bon, j'enlève la musique, en fait. Allez, venez. Je les vois pas toutes, c'est dommage. Non, mais c'est parce que la tension est assez forte. Mettez-vous au sol avec moi. On va se mettre en tailleur, tranquillement. Et en fait, ce moment-là, il sert à faire baisser le rythme cardiaque. Hein. Parce que là, du coup, on doit être à... Enfin, moi, en tout cas, je suis autour des 160. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer. On lève les bras. On va chercher loin en haut. Et ensuite, on expire. On le relâche devant. Je relâche les épaules. La nuque. Je relâche tous les bras, les jambes. Pas de tension dans les jambes. Hein. On reste ici quelques instants, essayez de calmer la respiration, ralentir, essayez de compter 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expiration. Ah, je dégouline sur le sol. Mince, la femme de ménage, elle est passée, non? Aujourd'hui. Ouais. Allez. Ah ben bon, si. On va relever les bras en l'air. Et cette fois-ci, on va aller sur un côté en gardant bien, comme si on mettait les deux bras et le buste entre deux murs. Hop. L'aisselle regarde le plafond. On essaye d'étirer le flanc droit ou gauche, comme vous voulez. Allez,
y a le petit air là, ça fait du bien. Sauf que du coup, t'es dans mon courant, t'as mon odeur. Et on revient en l'air. Et je vais sur l'autre côté. Si je peux, je pose l'avant-bras, hein, selon votre... Je garde toujours l'aisselle vers le plafond. Là, j'ai des mouches et tout qui viennent. Et je reviens en haut. Et voilà. Bravo. J'espère que ça vous a plu. Ah bah j'ai bien 300. Ah oui là. Super.